Monsieur, il les connaît. C'est leur pays. Ryan, vas-y. Merci, Pierre. Luc, c'est super sympa cette petite initiative de la Capelle. Bah ouais, hein. Ouais, c'est vraiment, quand on voit du monde comme ça, c'est fabuleux. Hein. Et si les autographes, on se prend pour une rockstar ou quoi? Non, ça fait un peu drôle, mais bon, on m'avait demandé ça, ça fait plaisir. Ok. Bonjour mademoiselle. Monsieur, je voudrais vous demander un service, avoir votre numéro de téléphone s'il vous plaît, je vous adore. Vous êtes un de mes professionnels préférés. J'ose pas vous le dire, je suis un petit peu gêné, mais je vous adore. Je peux vous faire la bise? Merci beaucoup. Voilà. Allez, c'est pas ma vie. Merci. Bientôt la licence d'amateur, alors on en profite. Allez, je m'approche de Nicolas pour avoir une réaction. La Chinois 14, Jurial d'Arcouet, la semaine dernière, le chef Poli qui garde le contact, petit avion qui est plutôt en 4-5e position. Ouais, Side Max, revenant un petit peu plus loin, Salsa Daval qui va sans doute tracer. C'est normal si ça va plus vite. La course que les commentaires, ça indique. Une droite très longue ici à la Capelle avec Lorial d'Arcouel qui vient maintenant attaquer toutes les portes des Corderie. Lorial d'Arcouel qui s'explique pour la victoire avec les îles Corderie alors que la troisième place pour l'instant est une lutte utopique de Fonny. Alors je vais le terrain avec Salsa Daval qui m'a fait Vous vous tournez vers nous, s'il vous plaît. Merci. Non, j'ai gagné. Moi, j'ai pas gagné. Si, si, ouais, non, très bien. Très, très bien. Le cheval, il était parfait. Très bon parcours. Non, j'en attendais une bonne performance. Il a répondu présent. Maintenant, il faut que ça continue comme ça. Mais j'ai retrouvé mon cheval comme il était. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a eu comme ennui pour pas être, pour parfois décevoir? Bah, il a eu des petits problèmes à droite à gauche et des petits soucis qui l'ont un petit peu embêté. Donc voilà, il a fallu régler tout ça et je pense qu'on est sur le bon chemin. Je prends une belle année à faire. Est-ce que d'un point de vue professionnel, ça se prépare des quartiers régionaux? Bah, disons que non. Oui et non, quoi. C'est des belles épreuves, mais on prend les courses comme elles viennent, quoi. Les courses sont belles, elles sont bien dotées. C'est important de réussir à gagner. On revient sur la journée d'aujourd'hui, les 140 ans de l'hippodrome de la Capelle. Il y avait beaucoup de monde. Je suppose que quand on est un professionnel, ça doit être une source de motivation supplémentaire. Oui. Ah oui, c'est sûr que ça stimule. Voir les tribunes pleines. En plus, les tribunes à la Capelle, comme vous avez pu le voir sur le petit écran, il y a de la place. Et puis, il y a de l'ambiance. Les gens sont sympathiques. On a eu un temps clément. Tout était réunis pour faire une belle journée. Bah ouais, super ligne droite, hein. On a pris le train à notre compte, j'ai laissé passer Joss en face. C'est des beaux chronos, hein. On est battu par un bon cheval, je pense. Hey, go. C'est bon, hein, c'est gratuit. Joss, bonne découverte, ce qu'il y a ? Non, c'est pas mal, il m'a dit que le cheval il est marrant, mais pas trop mal parti. Moi, où est-ce que j'ai eu pas la bonne course, en face je me fais sortir par quelqu'un. Je me suis trouvé un peu trop tôt devant pour moi. Surtout sur une piste comme ici, hein. C'était mieux d'attendre, comme ça. Les Grands Prix de Provence, ça devrait aller avec ce cheval-là. Oui, je pense. Il est pas nul. On peut revenir sur la journée à la Capelle. Une séance de dédicace, on a vu ta cote de popularité. C'est sympa quand même. Oh, c'est gentil. On a besoin des gens qui viennent comme ça. Parce que c'est rare qu'il y ait encore autant de monde aux courses. Là, c'est bien.
C'est bien. Bah, je suis parti bien et Tristan est venu m'attaquer à côté. Il a fait la faute et puis je l'ai remis tout de suite. Et puis après, il allait tout seul. Tu m'entraînes combien de fois dans la semaine ton cheval? Deux fois. Et alors, tu sentais qu'il était bien toi? Ouais, ouais, il trottait bien et il était bien dans ses allures. Est-ce que tu rêves de devenir driver? En faire mon métier, non. Courir en amateur et tout ça, oui.